Hey, salut à toutes et à tous, c'est Tofuti67. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Voici mon matériel de détection. Oui, alors ma pelle en inox, récemment servie. C'est mon père qui l'a faite, avec des dents sur le côté gauche et sur le haut. Pratique pour briser les racines. Une ancienne pelle française, de l'armée française, reconvertie en pelle non pliable, le tout en inox, et je peux vous dire que ça tient le coup. Hein. La tête, elle est d'origine, mais le reste, ça a été refait. Parce qu'il y a quelques années de ça, je l'ai brisé la pelle. Ouais, à forte utilisation, et vraiment forte utilisation, je l'ai brisé. Mais elle tient le coup, hein. Je peux vous dire, elle est bien. Franchement, elle est efficace. Parfois, je l'aiguise au niveau des dents. Ça m'arrive de l'aiguiser quand il faut. Et voilà. Mais franchement, elle est pratique, cette pelle. Elle est vraiment très pratique, cette pelle. Fidèle. Ouais. Ensuite, mon sac. Tout simple. Un vieux sac vintage. Un tout vieux sac vintage, et il est comme ça. C'était le sac de scout de mon père. C'est un La Fuma, sac La Fuma made in France, les anciens, avec l'armature en ferraille. Mais je vous promets, tout le monde croit que ça fait mal au dos. Bah, pas du tout, ça fait pas mal au dos, ça fait exprès justement pour plus de maintien, de confort au niveau du dos. Ouais. Bon, il est un peu pourrave, vous me direz, le sac. Un peu pourri, un peu vieillot, mais bon, il fait quand même l'affaire, je trouve. Il fait quand même l'affaire. Bah ouais. Ensuite, au niveau du détecteur de métaux, je suis équipé d'un Quest 35. Je sais, il est sale. J'ai pas vraiment eu le temps de le nettoyer. La preuve, c'est que je m'en sers. Hein. Ouais. Un Quest 35 WD Raptor au niveau du disque. Un gros disque qui va bien en profondeur correctement, qui est vraiment très précis. Entre 372 et 378 euros, je l'ai payé sur la maison de la détection. Avant, j'utilisais les garettes. Avant, je m'y connais en garettes qui sont d'anciens détecteurs, mais quand même efficaces. Ça, c'est le Quest 35. Je sais, il est sale. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Pour vous montrer la preuve que je m'en sers vraiment correctement, quoi. Bah, je vais vous montrer les trouvailles que j'ai faites avec ce détecteur de métaux. Voilà. Au niveau du repos droit, c'est pratique. On peut l'avancer, on peut faire au niveau de la taille, on peut régler. Ouais. Il a vraiment plusieurs modes très intéressants. Et franchement, c'est impeccable. J'ai fait aussi de belles découvertes, de belles trouvailles avec ce détecteur de métaux. Avec ce nouveau, quoi. Dans cette fourchette de prix entre 372 et 378 euros. Franchement, je suis content de mon choix, quoi. Je suis content de ce détecteur de métaux. Ouais, il est pratique. On peut le brancher à la prise et après il se recharge. Ah, il est bien, quoi. Voilà. Moi, je vous dis à plus. Portez-vous bien. À la prochaine. Salut.